Ce pays, on le quittera quand il nous rendra ce qu'il nous doit. Tout a donc commencé avec ce faux tweet de l'agence AP annonçant qu'il y avait eu une double explosion à la Maison Blanche et que Barack Obama avait été blessé. How many times are we going to hear this hijacking scenario where some technocrat like Mario Monti puts a gun to the people's head and say either give us all your money or we're going to take all your assets. They're going to do it anyway. Parce que là, il s'agirait d'arrêter de se gratter le cul.